je vais vous laisser monter en amoureux. Moi, je vais essayer d'aller gagner une autre licorne. Il n'y a pas de looping. T'as l'air de bonne humeur. C'est marrant. Harry a eu une deuxième chance, mais c'est comme si j'y avais droit aussi. Vous allez être une équipe d'enfer. Le Bugle est sorti. Alors, Jonathan est en première page ? Tu vas être rédac-chef ? Oh, j'aurais dû prendre du champagne ! Des chasseurs, des scorpions et des flammes, quel cirque. Jonah a choisi l'article du nouveau. Oh, MJ, je... En même temps, MJ, elle dit des trucs gentils alors que... Oh, je dois changer mon style d'écriture. Gagner sa confiance, d'une façon ou d'une autre. Tu trouveras une solution. C'est ce que tu fais toujours. Merci. T'es la meilleure. Je sens une mort. Si tu veux un coup de main de l'araignée sympa du quartier, tous les deux aussi, on est une équipe d'enfer. Même si je les appelle champagne. On se rattrapera. Tu lui es trop aussi pourri que lui. Bah c'est ça. Parce qu'elle, elle donne des trucs sur les vrais méchants. Mais lui, il veut Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Forcément. Les chasseurs. Il est parti par là. Écartez-vous. Donc ils vont chercher Tombstone et Mysterio. J'imagine, ouais. On est sur Tombstone. La bande de Kraven, hein? J'ai le chapeau! Vous en avez après quel super vilain cette fois? Mysterio? Tombstone? L'homme araignée va venir nous déranger! Descendez-le! Vous vous attendiez pas à moi, hein? Elle va serrer ses broches! Une nuit de repos, c'est tout ce que comment je qu'il fait? Non. Ah ça! Attention, toi! Je vais vers une autre position! Tombstone peut se débrouiller seul! Les yeux sur la cible! Tu fais pas le poids contre nous tous! Je peux pas les laisser s'enfondre à ceux qui sont encore dans le parc! Oh non! Harry! Et Harry, réponds! Réponds! Salut, c'est Harry, laissez un message! MJ! Harry répond pas au téléphone! Je suis trop occupé avec les chasseurs, mais je l'aperçois nulle part! Notre tour de grande roue est presque fini. Je vais aller voir s'il va bien. Surtout, prends pas de risque! Tu sais bien que je vais nulle part, sans mon pote Simcaria. C'est le nom que tu donnes à ton sable Stingray? Je travaille encore dessus. Je te fais signe dès que j'ai trouvé Harry. Il se dirige vers le circuit! C'est là-bas que Tombstone travaillait! Il est fort, mais ses types le sont aussi! Chasseur, rendez-vous au premier virage et que la meilleure araignée gagne. Je savais. Sortez-moi de là. MJ, t'as trouvé Harry? Pas encore, mais j'ai vu Mysterio. Les sbires de Kraven ne sont pas là pour lui. Ils vous ignorent complètement. Alors c'est Tombstone qu'ils veulent. Merci pour l'info! Ouais. Je continue de chercher Harry. Les nouvelles unités vont arriver. Cible accrochée. Voilà. On peut remettre ça à plat.
Comment qu'il l'a fait? C'est vraiment pas le bon moment là! Araignée à terre. Capturez Tombstone. Bah. J'arrive, Tony! Ça rigole pas, ces filets! Débarrassez-vous de l'araignée! En déplacement! Ça ne rate jamais! Oh, vous avez fini là? Je couvrais la cible. Tombstone s'est relâché. Déjà tué Scorpion? Ça m'étonnerait! Débarrassez-nous de l'araignée! Une bonne fois pour toutes! Je vise pour tuer! Bien tenté, Spidey! Cette fois, on est prêt! Hop là. Éloignez l'araignée. Allez. J'arrive, Lonnie. Pas tombe. Oh non. Désolé, Lonnie. Je dois t'aider, vraiment. Ils sont sérieux à tirer sur les civils ? Spider-Man, fais-nous un looping! Ouais, attraction Spider-Man, là c'est nul, y'a pas de looping! Ah, ce bordel! Et que je trouve la bonne pression. C'est bien qu'Harry arrive pour aider. Si jamais il peut. Oh!
Il va aller aider la, la personne qui est avec lui, Harry. D'abord, c'est quoi ces choses qui sortent de toi? Je crois que c'est mon traitement. Le docteur Connors dit que c'est un genre d'exosquelette autodidacte. Mais j'ignorais que ça pouvait... Attends. Tu sais ce que ça implique, pas vrai? On a tous les deux des super-pouvoirs. Imagine tout ce qu'on va pouvoir faire pour guérir le monde! Désolé. Je... Il faut que je trouve comment ce truc fonctionne. Bon, c'est dommage qu'aucun de nous n'ait sous la main un laboratoire de pointe pour effectuer les tests. Je vais aller voir s'il y a quelqu'un. Tu m'y rejoins? Appelle-moi dès que c'est bon. On pourrait croire que c'est une bonne chose, hein, mais bon, on sait tous ce que ça implique, un symbiote avec Spider-Man. Ouais, je viens de voir ce qui s'est passé à Connie. C'était quoi ça? Eh ben, tu te souviens? Mais du coup, ça serait Harry Venom, du coup, dans ce jeu. C'était lui? Comment ça? Franchement, j'en sais rien. Ça doit être le traitement qu'il a suivi. Oh, c'est Harry, je te laisse. Salut. Des câlins et des bisous. Exactement. Je dois filer. Filer? Ah, au sens littéral. Je sais pas, avec toi on sait jamais. Ok. Oui et non, je vais me taire. Oui ou non, on découvrira, hein. Ça se trouve ça va être Kraven. Ça se trouve ça va être... On ne sait pas. Que je connais assez bien. Ah, c'est bien ça.
Ok. La paix, j'ai été contraint d'assister, impuissant, à une explosion de violence orchestrée par Spider-Man. Vous avez deviné, Spider-Man. Cette brute vient de détruire Coney Island, l'un des lieux les plus emblématiques de la ville, au cours d'une nouvelle bagarre monstre. Je crois qu'il y a eu erreur. La plage, c'est pas là-bas. Normalement, le sable. C'est réservé aux vacances à la plage. Enfin. Ouvrir ce cristal tranquillement. J'ai réussi à m'échapper de cette école pour revenir à la maison. Et je passe la porte. Mais tu n'es plus là. Mais eux, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Makimia ? Utiliser la fille de Marco de cette façon, Kraven a vraiment un problème. Mm-hmm. Il faut que je trouve d'autres cristaux pour en savoir plus. Marco retrouve la mémoire et il est plutôt nerveux. Les docteurs font en sorte de reconstituer. Des événements. Apparemment, tout n'est pas entièrement sa faute. Je tâcherai de te tenir au courant. Oui, pas besoin, j'entends les souvenirs, moi. Il y a encore du sable partout. Il y avait des trucs d'eau. Reprenons le cours normal des opérations. Le cristal de sable. Je commence à hurler et je perds vite mon sang-froid. Si j'apprends qu'ils t'ont fait quelque chose, je sens déjà le sable reprendre le dessus. Mais ils m'aspergent avec un produit chimique. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je fais tout mon possible pour rester éveillé. Tout s'estompe rapidement. Jusqu'à ce que je m'évanouisse complètement. Ce truc devait être costaud pour mettre l'homme sable KO. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de Kimia ? Faut qu'on retrouve sa fille, quoi. Peut-être que si on a tous les cristaux, on va pouvoir sauver sa fille. C'est beau. Ah, on a une photo à aller chercher avant. Ça dépend.
Du place quelques fusées sous la bibliothèque. Et pour elle. Ça plaira à Robbie. C'est la fille de mon meilleur ami qui a peint ça. Je me rappelle qu'elle m'avait montré l'esquisse avant de réaliser la fresque. New York n'est rien sans ses habitants. Crime signalé, mais c'est pas sur le chemin de mon boulot. Hop là. Ce que ce truc peut faire d'autre. Et ils pensent pas aux agents de sécurité de la zone qui peuvent regarder les caméras quand ils veulent. Ou aux flics qui peuvent demander les caméras. Qu'est-ce que tu fais? De la science, mon gars. Je fais de la science. Alors, Spider-Man, tu l'as dit à MJ, mais pas à ton meilleur pote. Non, mais c'était pour te protéger. Je voulais te le dire, mais... Ouais. Je comprends. Et le jeune que tu encadres, c'est lui, le deuxième. L'argent. Il s'est passé plein de trucs pendant ton absence. Crois-moi, je le sais. J'y vais en douceur. Oups. Je vais faire du café. Je sens que la nuit va être longue. Merde. Ils ont tout pété. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a fait des expériences. Où est le docteur Connors? Il a dû prendre un jour de congé? Non. Il ne prend jamais de congé. Il s'est fait choper par Kraven? Bon, je vais y aller. Hein. Ouais. Ouais, je te rappelle. Ok. Harry a des super pouvoirs? Tout s'est enchaîné tellement vite. C'est quoi ça? Tite, je capte un signal de Spider-Bot bizarre. Ah, toi aussi? Ganky, c'est toi qui fais des tests? J'allais justement vous appeler. Il y en a plusieurs qui sont apparus sur le réseau d'un seul coup. Ils utilisent des protocoles de communication que je connais pas. Je vais voir et je vous dirai ce que ça donne. Ok. Attendez, je craque. Je vais me commander à bouffer. Enfin, si le resto est là, parce que j'ai pas l'impression qu'il y soit. D'accord, bah le resto est pas ouvert. Bizarre. Il est toujours ouvert d'habitude. Bah voilà. Connor égale les arbres, ouais, ça je sais. C'est pour ça que je dis qu'il s'est sûrement fait choper par Raven.
Oh, pas mal. Spider-Man 2099. Ça marche. J'essaierai de voir si j'en trouve. Envoyez-moi les données que vous récupérez. Le multivers a été ouvert. Va y voir les Spider-Bots de tous les Spider-Man. On a passé la nuit à faire des tests sur la tenue d'Harry. Et on a peut-être abusé sur la pizza. C'était vraiment cool. Comme au bon vieux temps, quoi. Alors dis-moi, je suis curieuse. C'est quoi l'araignée radioactive d'Harry? Je te jure, j'avais jamais rien vu de pareil. Il s'agit d'un genre de combinaison qui éradique complètement les traces de sa maladie. Le docteur Connor s'est vraiment surpassé cette fois. C'est incroyable. Et le timing est parfait, vu ce qui s'est passé au parc. Spider-Woman. Ils ont pu emmener Tombstone ? Pas encore. Mais si j'apprends quoi ? Ce soir, je t'appelle. Ah, t'es trop forte. Ouais, je sais. Ok, et maintenant ? Je vais aller aux endroits que j'ai pas vus, comme ça il y a sûrement des trucs à récupérer. Salut Yuri. J'ai localisé les adeptes de la flamme dans une clinique désaffectée de Chinatown. À deux, on peut retrouver leur chef. Pour les laisser mourir eux aussi? Pas si j'ai le choix. Écoutez, quelqu'un doit arrêter ce culte. Ça sera plus facile si vous venez, mais je n'ai pas besoin de vous. Si j'y allais, je garderai un œil sur elle. La flamme débloquée. Voilà, par exemple, il y a une photo. Il y a un cristal. Ça coupe à chaque fois. Alors qu'il n'y a pas de communication, quoi, quand j'arrive. À part les blagues de merde de Harry. De Peter. Dans l'eau, ça les tue. Plus personne. À moi le cristal de sable cette fois. Je me réveille dans une espèce de donjon. Ah mais c'est sa tête. Il y a plein de cellules vides. Peut-être toutes les parties ça va être lui. On va reformer une figurine. Marco était complètement impuissant. Pris au piège. Sans savoir où se trouvait sa fille. Ça tombe bien, dans un endroit que je ne connais pas. Ces voleurs vont forcer la porte. Je dois les arrêter. Qu'est-ce qu'on vole ? Excusez-moi, je voudrais juste vous Expelliarmus. Allez, abandonne ! Allez, on tombe. Ne gardez pas une mauvaise image de New York. C'est une super ville quand on respecte la loi.
Salut les araignées, j'ai quelque chose pour vous. Rendez-vous à cette adresse. Félicia ? Ouais, Félicia. J'ai entendu parler de la fonderie Steel à Williamsburg sur une fréquence radio des chasseurs que j'ai piratée. Tombstone doit se trouver là-bas. Il aurait besoin de votre aide. Merci. Content que t'ailles bien. Est-ce que t'es bien arrivée à Paris ? Ouais, nickel. Je me suis dit que je vous devais bien ça, à tous les deux. Même si, apparemment, l'autre Spider-Man n'a pas daigné faire le déplacement. Ouais, justement. T'as pas à te justifier, t'inquiète. On est passé à autre chose. Au fait, sympa ton pote. Ouais, carrément. Merci beaucoup pour l'info. Je crois pas que je serais capable de trouver Tombstone à temps sans ton aide. Ouais, merci. J'ai un truc à faire, une seconde. Spider-Man. Salut Howard, salut PG. Comment ça va pour vous ? Oh, on n'a pas à se plaindre. Vous voulez nous rejoindre ? Juste un rat qui traînait une pizza. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous faut ? J'aime bien m'asseoir ici, pour admirer la vue. Il y a un ferry qui arrive. Vous le voyez ? Ouais. Vous embarquez avec PG ? Peut-être pas maintenant. Je prendrai le prochain. J'adorais prendre le ferry. C'était comme voguer vers une grande aventure. Howard ? Vous voyez ce hors-bord jaune avec le bas noir ? Il y a pire comme embarcation. Un bourdon sur les vagues. J'aimerais tellement pouvoir me mettre à la barre, faire un petit tour. Howard ? Naviguer jusqu'au bout de la rivière, vers ces trois colonnes. Où une il sent qu'il va bientôt mourir. Se cache dans les nuages. Trois colonnes ? Légèrement à droite. Cherchez les lumières rouges. Vous parlez de ces trois cheminées ? Pourquoi ? J'ai travaillé 20 ans dans cette usine. Quand ils m'ont viré, ça m'a pas mal ébranlé. Et puis quand ma femme est décédée, ça a été le coup de grâce. Mais mes oiseaux m'ont réappris à voler. Le petit Pidgey, surtout. Je suis navré, Howard. Qu'est-ce que je peux faire ? Une dernière. Vous savez où se trouve Madame Liberté ? Elle est complètement à gauche. Ouais ? Je la vois ? Regardez. Et qu'est-ce que... Oh, wow ! La volée ? J'ai besoin de votre aide, Spider-Man. C'est décidé, je pars enfin à l'aventure. Mais avant ça, je veux libérer mes oiseaux. Qu'ils voient le monde au-delà de cette ville. Mais c'est des pigeons. Vous pourriez me les emmener au nord, dans un endroit paisible ? Je sais pas trop, Howard. C'est toute votre famille. Il est grand temps. Sifflez pour voir. Ok, c'est vous qui voyez. Allez, décollage ! Je vais suivre les quais. Le temps de réfléchir à une destination. Battery Park. De jolis monuments et autres perchoirs. Mais Howard voulait que vous découvriez le monde. On trouvera autre chose. Oh putain, j'espère que ça... Twitch va pas me... couper le son avec cette musique. Parce que c'est beau. Ça serait con que la musique soit bloquée. Ça va toujours pas. Ouh, un jet stream. Pigeon en réaction. PG, regarde le Zodio. Yeah! Pourquoi pas le petit bois près de chez moi ? On part dessus. Harry et moi, on y allait tous les jours après l'école. C'est ici que je vivrais. Enfin, si j'étais un oiseau, quoi.
chanter du Afida. Oh, vous aimez nos delta toiles? Venant des pigeons de Ward, c'est la classe. Ça va me manquer de plus vous poursuivre partout. Salut. Vous avez trouvé un endroit sympa pour me protéger. J'ai pensé à un endroit dans le Queens. Un coin où j'avais l'habitude d'aller avec un ami. Il y a un max d'espace pour PG et sa bande. Ça a l'air bien. Merci. J'ai pas connu beaucoup de personnes prévenantes dans ma vie. Avec plaisir, Howard. N'hésitez pas à leur rendre visite. Prenez le métro. Je vais déposer ces oiseaux et je reviens. Howard ? Ok, on y est. Bienvenue chez vous. PG, je te l'ai confié. Bon allez, je suis trop épuisé. Je vais rentrer en métro. Je devrais aller voir Howard. Ils doivent déjà lui manquer. Il va être déjà parti. Alors voilà. Salut Spider-Man. Eh, pardon. C'était un ami. Prenez tout le temps que vous voulez. Si je puis me permettre, il avait l'air d'être en paix. Ouais. Il a enfin rejoint sa femme pour d'autres aventures. C'était sûr. Il sentait que c'était la fin, donc... Vous en faites pas, Howard. La volée est libre. C'est beau. C'est très beau. Mort naturelle. Et sans regret. C'est très beau. Hé, de quoi est-ce qu'on parlait déjà ? Papa a justifié, t'inquiète. On est passé à autre chose. Le gars qui a raccroché comme ça et au moment où elle a dit ça. Carrément. Merci beaucoup pour l'info. Je crois pas que je serais capable de trouver Tombstone à temps sans ton aide. Ouais, merci. Prends bien soin de toi. Je crois que ces fêlés de la Fashion Week ne viendront plus me chercher des amis. A plus, les araignées. Miles, je vais m'en occuper. Tu risques d'être en retard pour rendre ton essai. Mais, et si ? Si je trouve Martin Lee, je m'occuperai de lui. Spider-Man peut attendre. Mais pas Miles. Ok. Mais, on reste en contact. J'espère que la piste de Felicia était la bonne. Il faut que je trouve Tombstone avant que Kraven le raye aussi de sa liste. On va aller faire le truc des flammes, là. Elle est entrée ? Non. Comment on va s'y prendre ? Genre, on fait juste équipe, ou... Vous les surveillez depuis longtemps ? Quelques semaines. Il y a des rumeurs qui circulent. On a retrouvé des cadavres. Et ils sont obsédés par l'heure écarlate. J'ignore ce que c'est. Oh bah, ça doit être une nouvelle marque de montre. Oui, c'est c'est sorti tout seul. Qui fait ce genre de vanne ? Pas moi. Oh. Je prends le côté gauche. Frimeur. Quand on trouvera leur chef, comment on saura que c'est leur chef ? Quelque chose me dit qu'ils ne font pas dans la délicatesse. Jetons un coup d'œil. Là-haut. Éliminer les fanatiques et continuer ? Ça me va. Alors ? Ça fait quoi ? Un an et demi depuis que... Est-ce que... Vous allez bien ? On n'est pas obligé de discuter. On est là pour travailler. Comment ça a pu tomber ? Là-haut, c'est Spider-Man ! C'est pas une histoire.
Je me faisais du souci. Je vais bien. J'étais en colère. Distraite. Mais ça va mieux. Je suis prête. Ça a du toujours aucun signe de leur chef. Continuons. Verrouillé. Et si je la force, je parie qu'il y aura une alarme. Je vois pas de serrure pour les clés. Il doit bien y avoir un moyen de la débloquer quelque part. Il semblerait que les recrues aillent toujours par deux au début. Ça permet de surveiller tout le monde. Logique. Faut ouvrir par deux, quoi. J'ai même pas eu besoin de ça pour... Apparemment, la secte a recours au tatouage pour indiquer les grades. Et ils vont toujours par deux quand ils arrivent. Dites, ça me donne une idée. Waouh. Vous en faites profiter la classe ? Observez bien. Mais oui ! La porte ne s'ouvre que si elle voit la bonne paire de tatouages. J'ai le mien. Vous voyez quelqu'un avec un tatouage d'Héphaïstos ? Et ça, c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose ? Vous voyez quelque chose de... S'il te plaît, te réveille pas. Et c'est pas du tout le bon tatouage, Sphère. Et voilà. Cette fois, c'est la bonne. Et donc, vous avez des tatouages ? Oui, la tombe de l'inspecteur Spider. Yuri, t'es sérieuse ? Barbecue time. Arrête, j'ai faim. Si tu t'enfuis encore, il sera beaucoup moins conciliant. Crois en la flamme, car tout brûle ici-bas. Car tout brûle ici-bas. Kikumat. Vous savez déjà où. Belle technique. Faut qu'on aille voir les prisonniers. On va vous sortir de là. Si la flamme vous laisse faire. On va vous sortir de là dès que possible. Pitié, je suis pas censé être ici. On va vous tirer de là. Les commandes de la porte sont dans la salle à côté. Vite. Il y a combien d'adeptes dans le bâtiment ? J'en sais rien. Beaucoup. Hé, hey, tout va bien là-dedans ? Hé hey, oh ! On vient vous aider. Parlez pas si fort. Alors les commandes sont dans la salle d'à côté. On va se faire repérer si on passe par ces portes. Si eux, c'est des adeptes de la flamme, c'est la flamme qui fait une sauterie, là ? Je ne crois pas. Il est encore digne. Et pour que les derniers doutes se dissipent, célébrons ensemble le passage de cette petite grève de Typhon à Héphaïstos. Tout va bien ? Vous avez l'air... J'ai la pêche. Tu n'auras plus besoin de cacher ton visage de ta mère. Ça ira. Le monde ne pourra plus te faire aucun mal. D'autres sorties dans cette pièce. J'espère trouver autre chose que leur écran de veille. Cette marque est l'épée et le bouclier. Elle sera ta plus grande source de résilience et ta plus grande source de force. Car elle montre que la flamme est confiance. Croyez en la flamme, car tout brûle ici-bas. Depuis la nuit des temps, nulle vérité n'a brillé. Qui est là ? Alors gardons-la en mémoire, car l'heure écarlate approche. Hé, hey, c'est peut-être juste... Y a un problème ? Rien. C'était peut-être juste un test. Spider-Man est là-haut !
Hop là. J'ai fini ma première planche d'ATATSD. Elles sont pas très vite. Oh bah non. Ouah du tout. Je sais pas. Les câbles des cellules conduisent jusqu'ici. Venez. On ne peut plus continuer à se croiser comme ça, Yuri. Les gens vont croire que tu cherches à me descendre. Je pensais vraiment que c'était fini et que tes mensonges ne séduiraient plus personne. L'amour. N'est pas un mensonge. Il n'y a aucun amour là-dedans. J'ai aidé ces pauvres gens alors que tout le monde leur tournait le dos. Je doute fort que toi, ou l'idole des fous juste là, en auriez fait autant. Mais comment devrais-je m'y prendre pour que toi aussi tu m'aimes? Dis-moi où tu te caches et je te montrerai. Le vieil hôpital au nord d'Astoria. Passez quand vous voulez. Si vous en êtes suffisamment digne. Bonjour, monsieur. Vous saviez qui était la flamme depuis le début? Non. J'avais des soupçons, mais je n'ai su de rien avant. Comment vous vous êtes rencontrés? Vous dirigez une autre secte quand j'étais dans la police. Je l'ai démantelé, mais il a réussi à s'enfuir. La flamme n'est pas ici. Il faut qu'on parte à sa poursuite. Quand on aura aidé les prisonniers à s'enfuir. La flamme nous guidera. Oh, salut! Hop là. Allons à l'étage. Il y a d'autres adeptes derrière la porte. Là-haut, c'est la seule issue. Attendez ici. On va ouvrir la voie. Vous vous occupez de la porte? Pourquoi pas? Ok. Avant toute chose, comment il sait qui vous êtes? Grâce à ma voix. Quand je le traquais, c'était son plaisir. Il a découvert mon identité et a toujours pu garder une longueur d'avance sur moi. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur lui? L'ancienne secte dont je parlais. Quand on était sur le pas de la forteresse, il leur a dit que l'heure était enfin venue. Il les a tous tués pour qu'ils ne parlent pas. Et ils se sont laissés faire. C'est un monstre. Alors c'est la première fois que vous le revoyez depuis qu'il s'est échappé? Je l'ai traqué pendant des mois, mais j'ai travaillé aussi sur d'autres affaires. Je savais qu'il n'était pas là. Et les adeptes de la flamme? C'est son ancien groupe en fait? Ils n'étaient pas aussi nombreux. Ils étaient plus prudents. Ces gens-là, je ne sais pas ce qui est pire. Leur nombre ou leur confiance? Il est temps qu'on les fasse sortir de là. Je sais pas si c'est un nouveau méchant ou si c'est un méchant qui existait déjà, du coup. Ça devrait pas être long d'aller à l'hôpital. Mais... Yuri! C'est le piège le plus grossier que j'ai vu de ma vie! Et pourtant, j'ai combattu le piégeur. On ne peut pas se permettre d'attendre. Vous le connaissez pas.